Nous sommes de retour sur le plateau pour présenter un nouveau jeu. Merci à Loïc et à Alizé de nous avoir présenté un peu l'univers du jeu vidéo pour 80€ avec le développement. C'était très très intéressant. Il y a eu beaucoup de questions sur le chat par rapport à des jeux de précommande. Il en a parlé juste à la fin de Cyberpunk. Forcément, les gens l'ont tellement attendu, l'ont préacheté. Et beaucoup étaient très très déçus à la fin au lancement du jeu. Mais bon, c'est une petite aparté. Vous faire rigoler. On revient après cette pause tumultueuse. Une fois qu'on est passé à la conférence, ce que vous n'avez pas vu mais que vous pourrez revoir en making-of, car il y a un making-of qui va être tourné, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont tourner, la régie est venue jouer au jeu. Ils se sont levés, une fois que c'était lancé, ils ont couru vers la manette pour jouer au jeu. On s'est fait tacler parce que 30 secondes après, ils nous ont dit bon, on a passé deux niveaux. J'étais très énervé. Ouais, alors que quand on leur a demandé de venir. Non, je suis venu, moi je suis revenu sur le plateau. J'ai regardé, ils étaient tout contents. Bon, après, ils m'ont tous dit ouais, Satan. C'est chaud quand même. Jeu de Satan. Mais je sais pas s'ils sont allés jusqu'à la couleur. Est-ce que à la régie, vous êtes allés jusqu'à la couleur? Non, parce non que. Ouais, ok. C'est un jeu qui a pas mal de challenge. Et on était encore loin. Je pense qu'on était très loin. Peut-être que dans le développement de jeu, ils se sont dit, allez, vas-y, easy, on va mettre une dizaine de trucs. Le dev, il s'est dit, c'est bon, niveau 1, c'est simple et tout. Ça devrait le faire, quoi. Ouais. Et en fait, non. Ben non. Alors, voilà, donc pour rappel, c'était The Fury Enemy en Let's Play qui était juste avant. On vous a mis le lien Steam dans le chat. Voilà, si vous voulez l'ajouter en wishlist. Et puis pourquoi pas vous filmer en train de tester le jeu et nous les envoyer, ça peut être très très drôle. Ah oui, super. Effectivement, un retour total sur votre le jeu. On a quand même totalisé 200 morts. 200 morts dans la partie. Avant on a les stats. On a un record à battre. Ok. Alors, d'accord. What's the next game? Alors, le prochain jeu, c'est Godlinks. Ouais. C'est ça, Godlinks? Ouais, du studio indé français Fusebox Game. Donc, Godlinks, vous allez voir, c'est un jeu qui est un peu, en tout cas à mon sens, un peu Donjons et Dragons dans l'univers. On va incarner, donc c'est un jeu d'action et en vue à la troisième personne. On va incarner un héros qui va explorer un donjon. Dans ce donjon, on a bien évidemment des ennemis, des artefacts à récupérer, des petites surprises aussi que je n'annonce pas et que vous allez découvrir. On a récupéré Mathias avec nous. Oui, je viens de réaliser que je n'avais pas besoin du masque là. Et du coup, non, parce que tu as le plexi. Ça a pris du temps. I can speak. Oui, et surtout, ce qui rend ce jeu très particulier, c'est que c'est des donjons en fait procéduraux. Ce qui veut dire que les donjons sont créés en fait lorsque le jeu est lancé. Donc en fonction des choix qu'on fait dans le jeu, on va avoir des univers, des donjons qui vont être différents. Là-dessus, je ne sais pas, c'est ce qu'on va découvrir. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, on ne devrait jamais pouvoir jouer au même jeu à chaque fois. C'est-à-dire, c'est toujours différent. Ah, tu as des scénarios différents qui se construisent un petit peu en fonction de ton avancée. En fait, voilà, l'idée, c'est que le donjon se construit, en fait, quelque part. Si c'est complexe à réaliser, ça, quand on crée un jeu vidéo? Ah, c'est une... Oui. C'est un des plus complexes quand on commence à rentrer là-dedans. En fait, il faut savoir que créer un jeu, ça veut dire prévoir en fait toutes les possibilités du joueur, ce qui est compliqué bien évidemment. Créer un jeu avec l'ambition de Godlinks, c'est très compliqué parce que la création du coup du lieu, la création du donjon, du level se fait en fait à chaque fois que la partie est lancée. Donc c'est très intéressant. Après, j'en connais pas les détails. En fait, tu as le moteur de jeu qui est constamment en calcul et qui est en train de recalculer en fonction de tes choix. C'est quelque chose qui est lié simplement au fait de ne jamais en fait se retrouver devant le même niveau, la même chose. Okay. En fait. Donc je suis curieux parce que du coup, moi, je vais découvrir comme vous. Hein, j'en sais. Tu l'as pas testé sur. Non, je l'ai pas encore testé. J'ai envie d'aller lancer le jeu. Okay. Non, moi, j'ai pas commencé. Déjà rien que l'écran principal du jeu là où il y a le logo. C'est déjà très très beau. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Godlinks n'a pas encore de date officielle de sortie. On est entre guillemets sur une exclue Indie Game Nation. Oui. Donc on est sur une version bêta. Et ils ont déjà fait un petit peu parler d'eux dans la presse. J'ai vu beaucoup d'articles élogieux à leur sujet. Donc ce qui, en tout cas, me donne encore plus envie de le découvrir. On va peut-être lancer le jeu. Donc là, déjà, super petite animation. Moi, je l'ai laissé. Ouais, je l'ai laissé j'aime beaucoup. Comme ça. Je me suis dit que c'était sympathique.
Ok. Yes. Alors ce jeu, il va être dispo sur PC. Donc on, comme je vous l'ai dit, on est sur une alpha. Ouais. On est sur un joueur. Voilà, et puis en termes de gameplay, on va vraiment vers un jeu d'action type RPG, voilà, comme on peut connaître. Ok. J'adore l'écran d'accueil, là, je vois des petits FX là, c'est très très cool. Là, on est sur c'est complexe à faire ça C'est complexe à faire tous ces petits détails là comme ils sont. C'est du travail, tu as du travail de particules, ouais. Tu as du travail graphique, tu as du travail aussi de ouais. Lighting. Tu sais, quand tu as les flammes, on voit le reflet des flammes sur les murs. Donc tu as un lighting qui est très très bien fait. Ouais. Donc alors, on peut choisir. Donc on a un warrior, un assassin, un mage et ça. Un clergé. Un clergé. Ouh, un clergé. Clergé qui fait. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une tenue commune. Qui me fait penser un petit peu aux Templiers. Oui. Je trouve qu'on retrouve vraiment un peu cette patte. Alors moi, j'allais dire le petit château comme ça, parce que je joue à beaucoup de jeux sur mobile. Ouais. Ça me fait penser un peu au logo Clash of Clans. Oui, bien sûr. Alors j'ai une question bleu, du coup. Est-ce qu'on va commencer directement sur un petit coup de cœur, genre le cléric, ou est-ce qu'on se fait un warrior histoire de se prendre la main? Moi, je suis un pur assassin, moi. Joueur de haut, voleur. Tu commences, tu te dis bonjour, il y a un warrior. Moi, quand je dois choisir des classes comme ça, je suis le genre de personne, j'aime bien jouer à distance. Donc, le côté mage avec le pouvoir, c'est quelque chose que j'aime bien. Et là, il me fait plus penser à un heal, tu vois. Ouais. Et là, l'assassin, le petit truc bien furtif qui vient et qui te bouffe. Donc, j'ai bien envie de tenter. Soit on se le joue très bourrin. On se le joue un peu tricky-tricky. C'est comme tu veux. Moi, parce que Warrior, on est d'accord que c'est corps à corps. Moi, c'est du corps à corps. On fonce dans le tas, quoi. Ouais. Moi, généralement, dans ce genre de jeu-là, je préfère me lancer d'abord sur un guerrier, histoire de voir comment ça marche, quoi. Ouais. Et après, tu commences à t'amuser un peu avec les classes plus... Alors, il y a le studio qui nous a prévenu. Les choix qu'on va faire vont être cruciaux. Ouais. Mais surtout, on a une très, très petite marge d'erreur. Ah. Voilà. Je balance ça comme ça. Tranquille. Easy. Ok, donc on est sur attention, tu vas te faire attaquer déjà. Alors attends, je regarde les déplacements déjà. Oh, c'est intéressant. Des coups de bouclier, ça c'est quelque chose auquel je ne suis pas habitué en fait sur ce type de jeu. Généralement, le bouclier est là juste pour se protéger. Bah, j'essaie là, déjà de une me action déplacer. J'adore la vue par-dessus. Essaye peut-être AD. Est-ce que tu arrives à te déplacer? C'est ce que j'essaye. Il n'y a pas un petit tuto? Bah non. Ah, regarde en setting. Ouais, regarde le setting, ouais. Les contrôles. Ouais, contrôle, excellent. Tranquille. Alors, presse espace. Ouais. C'est pas pour la luminosité, ouais, ça c'est la luminosité, je pense. Attends, t'as normalement, il est pas compatible. Il n'est pas compatible manette, il me semble. Hop. On le rappelle, on est sur une alpha. Ah oui, bien sûr, oui, mais c'est clairement exclusive découverte, début c'est très jeu. Chouette. Après, ça va la être... La luminosité, comme on l'a dit, on est sur une ambiance très sombre dans un donjon. Donc c'est un petit peu comme sur les Lara Croft, quand on lance le jeu et qu'on a besoin de setting un petit peu tout notre écran. Là, c'est exactement le même principe de jeu. Je vais retenter. Déjà, je trouve que le comportement de l'ennemi qui te frappe avec un bouclier... Ouais. C'est vraiment un truc auquel je suis pas habitué. J'ai pas eu le temps de regarder, moi, ce qui s'est passé. Et ouais, puis clairement, t'arrives direct dans le tas. On a un petit trône, là. Et ça fait très Game of Thrones. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Le grand trône des épées. Ok. Tu es en train de te faire matraquer, si je puis me permettre. Et j'ai réussi à trouver le déplacement, comment sauter. Il est impératif que tu saches comment frapper, par contre. Ouais, je cherche. Ça va être compliqué pour toi. J'aime beaucoup la vue sur le dessus. Ça me rappelle un petit peu les vues trois quarts qu'on avait sur WoW, tout premier qui est sorti. Ouais, alors pas exactement. Moi ce qui est étrange, c'est qu'au départ, je m'attendais à un truc qui soit très Diablo-like, mais en fait, l'angle est beaucoup plus vue d'oiseau presque. C'est léger, en fait. On va dire que la 3D, du coup, s'intègre, mais légèrement. Ça donne une jolie vision, en fait, de l'espace autour du joueur. Je tape sur toutes les touches. Hein. Alors, j'adore le fait. Là, t'as un espèce de chat, entre guillemets. Je pense que tu as dû ouvrir le clavier.
Est-ce que vous avez remarqué que le cœur est un cœur, un oui. vrai, et pas juste un de ces petits cœurs édulcorés. On non, est mais sur ça, un non, mais vrai ça pose cœur. L'ambiance, quoi, vraiment. Ah, tout de suite, oui. Déjà par le speech, enfin par le pitch, pardon, oui. Et aussi par l'univers, en fait, tout est cohérent. Oh, est-ce que tu as découvert une attaque? Ouais. J'ai vu un truc d'onde. Ouais. C'est un gros... Oh, ok. Oui. Oui, oui, ça y est, tu l'as. Ça y est. Alors, c'est quelle touche? Là, c'est Alt. Ok. Mais je crois que c'est juste un poche. Ah, c'est ton bouclier, peut-être. Ouais. Ouais, il faut que tu utilises... Absolument, ok, ça, c'est un dash. pour l'épée. Ouais, je suis sûre. Sur le chat, on nous dit d'essayer avec un gamepad. Excellent. Merci la régie. Il est perturbé. Heureusement que ces hommes sont là. Jeux, tu sais. On vous les a déjà montrés, mais ils sont là, hein, ils sont présents. C'est notamment les deux là qui se sont dédouanés. Non, moi je suis au micro, je suis là en train de régler le son et l'autre derrière, je peux pas, je règle les scènes. Hein? Et donc, update finalement sur le jeu, parce qu'on est sur une alpha pour rappel, donc il est compatible manette, voilà. Voilà, tout à fait. Donc là, est-ce que... Ah, ah yes. Ouais, tu as une... Cool, attends. Mathias, est-ce que tu peux nous faire... Ah, ok, alors attends. Les attaques peuvent être enchaînées, en fait, quand tu triggers une nouvelle attaque, au moment où la première attaque est finie. Tu fais une première attaque, tu peux enchaîner sur une deuxième. Ok. En fait, plus tu arrives à enchaîner du coup tes attaques sur des ennemis, plus ça va en fait te donner plus d'adrénaline. Et l'adrénaline est à utiliser en fait pour les attaques spéciales. Okay. Donc, t'emmagasines de l'adrénaline. Ok. Ah, ça te permet de débloquer une attaque spéciale. Une attaque spéciale. Et si t'appuies sur le bouton, bah attends, mais là, et on a changé le POV, c'est bien ça. Oh, superbe. Ça, pour l'exploration, c'est génial. Parce que ça permet véritablement d'aller découvrir différents endroits, d'essayer de comprendre comment un endroit fonctionne, où sont les ennemis, s'ils se cachent. Mais on est sur un jeu extrêmement ambitieux quand même. Bah, même encore une fois, je rappelle, le donjon, il est créé de façon procédurale. C'est-à-dire que là, en fait, si on relance le jeu, tu n'auras peut-être pas la même expérience, en fait, dépendant des choix que tu vas faire. Oui, parce que c'est pas le même personnage que tu as pris que tout à l'heure. C'est Warrior, là. Warrior, oui, ouais. Là, je pense que vu la violence qu'il est en train de lâcher, s'il a pris le Warrior. Ah, par contre, quand un ennemi te touche... Ah oui, on me fait signe que je suis à 5 voix avec le micro. C'est bon. C'est d'une violence dès le début, par contre. Ah, mais c'est très, très bien. OK. Ça ferait peut-être pas de mal... C'est très joli. En tout cas, le feedback sur les particules est très, très, très beau. Def, tu es en train de... Il est monté. Tu es monté dans les cieux. le jeu est absolument magnifique, par contre. Hein. Déjà, graphiquement, il a une patte. Sur les particules, il y a un vrai boulot. Je pense que tout ce qui va être un petit peu de narration, ça va arriver après. Parce que là, encore une fois, c'est une alpha. Oh, mais ce que j'adore déjà, c'est qu'on commence le jeu... Et on se fait attaquer. Ah, et c'est direct. Il hein. n'y a pas de perte de temps. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est extrêmement rare, je trouve, dans un jeu, de direct être au cœur du sujet. Mm-hmm. Il faut que tu te tapes des fois, et notamment sur des AAA, je ne sais pas combien de cinématiques avant de pouvoir commencer ton jeu. Et je trouve ce clin d'œil pour le trône. Ah ouais, non, mais c'est génial. Vraiment cette formidable. Cette référence, ouais. Ah, vous avez remarqué, il a réussi à faire bouger, en fait, des objets. Oh. Ok, donc là aussi, on a potentiellement des objets destructibles, ce qui veut dire que tu pourras probablement découvrir des choses comme ça aussi. Alors moi, en toute honnêteté, j'ai toujours eu du mal avec les jeux un peu très sombres parce que je suis obligé de forcer. Mmh. Donc là, par exemple, je ne vois pas s'il y a des ennemis qui arrivent à gauche ou à droite. Ouais, teste-le. Setting. Donc là, c'est les fameux settings qu'on parlait. Ok, donc les boutons étaient là, très bien. Alors, la réflexion, la qualité, le gamma. Oh. Oh. On a tous réagi. Bah, tu vois, on en parlait de mots. Il y a skill tree. On va le dire. Je l'ai senti.
Et en fait, les icônes sont un peu représentatives d'un... Là, pour le coup, je vois un voleur, tu vois. Je vois les skills de WoW quand on joue voleur. Je l'ai... je sais pas, je l'ai peut-être... Tu veux dire, là où c'est écrit DAG... Ouais, en fait, le type de graphique. Et coup, en fait, back and forth, ouais, c'est ça, ça. Ouais, ça fait ça un peu. En fait, surtout les petits logos, en fait. Genre la vie, les couteaux. Je pars, par exemple, du cinquième. Mm-hmm. Pour moi, c'est typiquement une référence... au bouton qu'on a dans des attaques d'en haut. Après, peut-être que je me trompe, que c'est déjà Kobo à couper sur quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, typiquement, c'est... l'inventaire est très, très cool. Ouais, très joli. J'adore le fait qu'on montre l'objet aussi. Déjà, d'avoir mis du FX dans l'inventaire, je trouve ça génial. Ouais. Alors, peut-être que dans la quality, tu vois, t'as fantastique. Là, je pense que t'augmentes les gammas. Coup de vérité. Ça change rien. Mais je suis pas sûr que... Ah, on n'a pas de musique. Ouais, peut-être sur le menu principal. Ouais. Écoute, je vais tester comme ça. Mais je crois qu'il y était, en fait, au départ, tu avais vu un truc avec trois types de colorimétrie, ouais, enfin, de lumière, je pense que c'était ça. Tu fasses une pré-config. Ouais. Parce que tu vois, quand tu as des petits halos, là, comme ça, ça éclaire vachement bien le décor. En fait, c'est fou, ça me rappelle un peu Darkest Dungeon. Qui est une super rêve, qui en termes de jeu et en termes de musique aussi est absolument ouf. Mais il y a un peu cette qualité-là, je trouve. Et regardez-moi ça, le feu pour montrer que tu es enflammé, le fait que tu as encore les flammes sur les côtés de l'écran, c'est assez chouette. Et tu avais, sur les murs, là, tu as des squelettes partout. Mmh. Et vous remarquerez l'ingénuité de la chose, ça veut dire que vous arrivez près en fait du mur et du coup ben, le mur disparaît en partie en fait, pour qu'on puisse voir l'action et ne pas être bloqué du coup. Pour qu'on puisse s'adapter à la cam. Ouais. On nous demande sur le chat s'il y a une narration qui est prévue. Bon, je pense sans me tromper dire que oui. Je le rappelle, on est vraiment sur une alpha, mais une alpha très qualitative pour le moment, en tout cas en termes de gameplay. Et d'après ce que j'ai lu, en tout cas, le pitch est vraiment très complet. Il y a tout un univers autour de ce jeu. Et il y a de quoi explorer une très très bonne narration. Tu meurs vite, hein. Tu veux essayer, Mi? Écoute, allez, soyons fous. Je pense que là, en plus, tu arrives sur le menu si tu veux voir les settings. Ouais, je vais aller dans les settings. Ouais, tester ça. To recalibrate, oui, visiblement, il y a un truc qui permet de... Bien. Alors. On va se mettre à fond. Je crois que tu as... Ouais, je sais pas si c'est inversé ou pas. Ok, audio, je vais juste... voilà, parce que j'adore la musique dans les jeux vidéo, donc je vais mettre un petit peu de son. Un petit peu d'FX. Stream, je sais pas trop ce que c'est. Et master, je sais pas ce que c'est, donc voilà. Bah, le master, j'imagine que c'est les sons en général. C'est la totalité, en fait, du son. Musique, c'est l'ambiance. Les FX, c'est les feedbacks que tu dois avoir sur les tirs, les combats. Non, il me semble que quand on avait reçu le jeu, il nous avait dit qu'il n'y avait pas de son. Ah, il n'y avait pas la musique. Ils n'avaient pas encore importé la musique. Très bien. Alors, c'est quoi les touches? Fais-moi un petit tuto rapide. Alors, ton attaque spéciale, c'est Y. Yes. Frapper, je crois que c'est X. Ouais. Il y a sauter aussi qui est en A. Ah, ok. Mais tu vas voir dès le début, là, tu vas pouvoir sauter. Ah ouais, ok, je change comme ça. Oh, nice. Tu as pris qui? Warrior. Là, tu me connais, Mathias, c'est un mois. Là, je vais pas te mentir, on voit beaucoup mieux. Ah oui, Carrément. Ah oui, oui, oui. Je commençais à avoir un peu mal aux yeux, alors, je vais pas te mentir. Alors, A, on est sur un saut. Okay, c'est moi ou tu as été poursuivi par le feu? Oui, exactement. En fait, je cherchais à esquiver. Waouh. Donc la vie, ça va vite. Hein. Ouais. Ouais.
J'adore le fait, encore une fois, que tu vois les dégâts. Et en fait, vous remarquerez, les dégâts font probablement des choses supplémentaires, comme par exemple peut-être, peut-être un ralentissement, ou peut-être un damage overtime, ou autre. Mais c'est, clairement, il y a l'air d'avoir des effets qui perdurent, en fait, sur certains des coups. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime bien avec le déplacement caméra, il est incroyable. Ouais, c'est super. Ah, puis vraiment... Ouais. Pour eux ou... OK. Il est trop fort. Parce que nous, par exemple, là, sur l'écran, on est bon. Parce que comme on a un écran qui est un peu loin et c'est pas très grand, là, on voyait vraiment les zones sombres. On était dans le noir complet. Ouais. Là, on voit Amy qui commence à être à l'aise avec le jeu. Bon. On va diminuer peut-être un peu après le gamma. Donc, c'est ça, la map apparaît, que tu parlais, là, le côté reflet qui apparaît, c'est, tu vois, là, on a c'est par rapport à la caméra, c'est super bien géré, par contre, le fait qu'on soit dans la caméra... Ok, je crois que j'ai fait une attaque spéciale. Dans le mur et qu'on puisse voir quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors ça c'est le fait, en gros, de faire des... Tu mets un comportement pour que les murs disparaissent, en fait, dépendant de où est la caméra et où est le personnage par rapport à la caméra. Ok. Non, quand je peux dire par procédural, c'est pas exactement ça. C'est plutôt que, en fait, le donjon, du coup, se construit. Il y a du monde dehors, absolument magnifique. Hein. J'adore les cristaux qui ressortent, les plantes autour. Oui, il faut leur mettre un dash, je crois. Ouais. Et comment... Dash, ça y est, Y. Ah, OK, c'est bon. Ouais. Alors, j'ai trouvé mon attaque spéciale. Fais gaffe. Death has arrived. J'aime bien le petit squelette qui apparaît. J'adore. Sur Il faut que je baisse un peu les gammas. Un tout petit peu les gammas. Ah oui. Ouais, mais la moitié. Parce que c'est tout ou rien avec moi. C'est soit on est à zéro, soit on est à fond. Alors, il faut encore que je me fasse aux touches. Pour le titre, Godlings, ça veut dire des petits dieux. Ou alors des dieux en devenir. A godling. Qui explique un petit peu le côté héros du fait d'affronter des vagues. Le début, ouais. On est à un endroit différent. On est sur un endroit différent. C'est du random. Et en fait, c'est ça que je trouve absolument formidable, c'est que l'expérience de jeu peut être excessivement riche. En fait, on se lance dans le jeu, on ne sait pas dans quelle scène on va commencer, et en fait, dépendant des ennemis qu'on va rencontrer, c'est les ennemis qu'on n'a pas tués en plus. Visiblement, c'est des ennemis qu'on n'a pas tués et qui sont arrivés d'un morceau de la map. Mm-hmm. C'est pour ça, tout à l'heure, avec le mage, quand je suis allé dans un endroit, ils ne m'avaient pas encore suivi. Ils ont fait le trajet, ils se sont dit, tiens, il y a quelqu'un là-bas au fond. Allez, esquive. J'ai pas le temps. J'aime bien la mort et la course dans la mort. Oui. Tu veux essayer peut-être un autre personnage ? Vraiment, ce travail de particule. Je vais essayer un autre personnage, en effet. Moi, je sais que je vais essayer le cléric. Laissez-moi le cléric. Ouh. J'adore. En fait, moi, dès qu'il y a une arme où il y a du vert, des trucs, des animations. Je passe des heures au niveau de la transmo et je fais des donjons seulement pour avoir certaines armes pour ça aller parfaitement avec mon stuff. Aïe. Pas pour autant que j'ai du skill, mais au moins j'ai la classe. Et c'est bien. Moi, dans World of Warcraft, j'étais un pouilleux. Un pouilleux? Oui. Tu gardais s'il ce que tu voulais. Donnez-moi une pièce d'or pour pouvoir acheter ce que je voulais. Toi qui voulais accélérer dans tous les sens avec le voleur, là. L'assassin, pardon. Ouais. Alors, je cherche encore. Et moi, franchement, mais regardez-moi ce setting, quoi. Ouais. C'est gourmand. Vous réalisez un peu le travail des graphistes et de la DA pour ça. Ça veut dire se dire, bon, ben, faut que tout colle. Tout. C'est un travail monstrueux. Bravo à l'équipe, parce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, pour ceux qui connaissent aussi, ça vous parlait, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment penser la DA d'un jeu, c'est se dire voilà comment ça fonctionne, voilà à quoi ça va ressembler, et en fait c'est gérer la lumière, gérer la colorimétrie globale, gérer quels assets sont utilisés, comment ils sont disposés, et c'est le faire en fait endroit par endroit. Le faire de façon procédurale, c'est comme je disais, c'est extrêmement ambitieux. Ben, c'est difficile parce que vous devez donner des comportements. En fait, vous devez dire, tiens, quand ça génère en fait le niveau, qu'est-ce que ça doit prendre en compte pour que ça reste beau, cohérent, crédible.
Et je ne peux que imaginer... je sais que ça n'a peut-être pas l'air, mais j'en ai vraiment le souffle coupé. C'est-à-dire je me dis, le travail que ça représente, c'est fou. Bah, c'est vrai que sur l'environnement, il y a tellement de petits détails. Je vois là, David, il lance un sort, il y a des répercussions au sol, sur les murs. Ouais, les feedbacks, ils sont là, ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment... Et justement, ça, c'est le genre de choses, dans une alpha, on ne s'attend pas nécessairement à avoir des feedbacks. Bah, et là, il y en a. Dans une alpha, si tu veux, moi, je ne m'attends pas à avoir des features pareilles. Vraiment, je m'attends à avoir un début de gameplay. Là, on est beaucoup plus loin que sur un début de gameplay. Je crois qu'on a, si je dis pas de bêtises, sur le chat, Gwenaël, qui m'a l'air bien renseigné sur le jeu. Gwenaël, qui doit faire partie de l'équipe, peut-être. Tout à fait. Ah bah voilà, donc qui peut nous donner en plus des conseils. Alors. Et merci, Gwenaël, de nous suivre. Merci, n'hésite pas à nous donner quelques petits conseils aussi pour d'exploration. Il m'a dit AY. Pour nous aider dans les settings. C'est pas comment qu'on joue des broutons. Comment qu'on joue? Alors, t'appuies sur toutes les touches comme moi, et puis tu vas voir, ça rentre très vite. Je peux faire ça. Il y a une touche... fais voir... c'est X. Y pour... X, j'adore, parce que c'est l'esquive. Oh. Et avec le Warrior, tout à l'heure, il y avait une esquive où il faisait des petites roulades un peu partout. Moi, j'adore ça. Après, il faut que tu ailles sur Start. Alors, quoi? Ouais, après, il faut aller sur Start, sur le côté. Alors, je sais, mais du coup, je quitte mon cléric si je fais ça. Non? Attends. Tu cliques là-dessus, je me suis trompé. Et après, tu l'as sélectionné. Ouais. Et après, hop, tu vas à Start. Mais je ne peux pas le sélectionner. Mais il est déjà sélectionné. Ah, oui. Oui. Ben, yes, oui. Indeed. Ah, OK. C'est parti. Gwenaël nous dit que si on veut changer les settings, c'est mieux d'aller dans le menu in-game, parce que le menu home, il est cassé. D'accord, OK. Ben, il est cassé, oui et non. Encore une fois, c'est une alpha. Oui. Et ça a super bien marché tout à l'heure. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, vous avez eu deux bons joueurs qui ont testé le jeu et qu'à présent, vous avez yours truly. Tu veux qu'on rappelle ce qui s'est passé le jeu d'avant? Je n'ai pas fait mieux. Hein. Mais il se trouve que moi, je suis de façon notoire mauvais. Mais ce qui est bien, parce que moi, je suis plutôt profil rêveur. Je vais découvrir le jeu en mode tout ce qui me plaît. Ouais. Pendant que les ennemis... En fait, l'idée, c'est de voir combien de temps je survis aux ennemis. Ouais, exactement. Pour moi, ça, c'est le type de jeu où tu es plutôt sur un profil challenger. Voilà. Ah, j'adore le contrôle de la caméra, par contre, du coup. Gwenaël nous dit, par défaut, B, arme de droite, Y, main gauche. OK. Gâchette de d'accord, droite. D'accord, j'ai compris. Hop, là, je suis à main nue. Il y a les gâchettes aussi, la gâchette de droite. Il a vraiment pas envie de mourir, lui. Il y en a, ils sont très, très résistants. Et en plus, ça te lance. Il faut leur faire un dash, j'ai vu. Il y avait le... comment ça s'appelle les squelettes, ils ont le bouclier. Quand ils sont en mode blocus, il faut... tu peux geler les ennemis. Hop. Comment est-ce que j'interagis? Le clergé? Appuie sur Y. Et oui. Il y a le shoulder button, c'est le stick. Ah oui, tu les gèles et après tu les frappes, ouais, c'est super ça. Fuis ! Vous ne passerez pas. Alors, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que je sais comment les glacer. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne suis pas sûr que j'arrive à les tuer, en fait. Je pense que si, mais en fait, quand tu lances un sort de gel, t'as un espèce de rectangle qui vient sur le sol. Donc, essaye de les faire se rapprocher et de lancer un sort de gel. Ouais. Par contre, c'est impossible d'esquiver les petites boules de feu, là. Attends. Moi, j'ai sauté dans tous les sens tout à l'heure. Impossible, ils te suivent à la trace. Yes, vas-y, Mathias. Come on. Allez. Mais ça, je le vois ça, c'est la DCA. Ça, c'est très, très bon, je ça. Je le vois c'est bien la DCA. En mode coop, tu vois. Ouais. Où il y en a qui gèlent, d'autres qui attaquent. Là, tu sais, ça me fait penser un peu, du coup, à un autre jeu. Très vieux jeu qui s'appelle Gauntlet, qui était génial. Et ça fait un peu les quatre classes de Gauntlet. Bon, il n'y a pas l'archer, mais tu vois, peut-être c'est peut-être que quand ils sont gelés, tu ne peux pas les frapper. Bah, c'est ce que je fais. Si, justement, tu... Je plus sois cette idée, mais je me fais quand même la mimer. La glace congèle les ennemis, mais ils sont invulnérables quand ils sont congelés. En gros, c'est bien pour faire un pack. Ouais, c'est... Et après, je les fuis comme ça. D'accord, j'ai compris. Je vais essayer... J'ai besoin de smasher, excusez-moi. Pardonnez-moi, il me faut du smash. Ouais, c'est ça, en fait, la glace, c'est pour contrôle.
Hulk smash. Donc tu vois, par exemple, contrôler l'ennemi le temps que ton pote, genre, t'es à temps de te faire rush, t'as un point voilà. de vie, là, le temps de fuir pour récupérer une potion, je l'imagine bien comme ça. D'ailleurs, est-ce que ça, c'est une bonne question que je ne connais pas la réponse. Est-ce qu'ils ont prévu du coup le co-op, de jouer à plusieurs C'est Gwenaël qui va pouvoir nous dire. Je serais très curieux de savoir. Moi, j'ai pas l'info en tout cas. Je sais que... Déjà ah, certes. Ah. That's new. je ne peux pas le contrôler. Et voilà. Super. Problème résolu. Résolu. Alors. Il y a peu de place dans le disque. Moi, je sais déjà, en tout cas, d'après les premières infos que j'ai, c'est que tu vas pouvoir du coup récupérer des artefacts qui vont te permettre de upgrade ton armure. Ah, c'est jouissif, tu vas pouvoir upgrade tous tes équipements. Là, tu leur fais rien, par contre. Ah, t'as été... Je leur fais plein de choses. C'est le bazar. En fait, il faut le faire au bon moment. Tu peux pas juste mâcher, il faut faire un kicker bon là. Il faut ils ont des boucliers. Ils ont des boucliers. Il faut que tu leur donnes un dash. Donc, il faut que tu les. Que j'ai dash et après. Non, il y a un sort qui. Tu sais, le sort où tu avais l'impression que j'envoyais quelque chose. Ah, en gros, tu donnes un coup de bouclier, ils perdent leur truc et là, tu frappes derrière. Ok, j'ai le combo. On nous dit tu peux enflammer tout ce qui est en bois avec, du coup, j'imagine, ce personnage que tu avais, le warrior. Ouais. Si je m'en tiens à cette petite boule de feu. Propager des incendies, tu peux le kicker aussi. Ok. Eh bien, on va voir. C'est un jeu, en tout cas, extrêmement intéressant. Hein. Ça me parle. All right, folks, I'm ready. I'm ready to kick ass and chew bubblegum. Let's do this. Enfin, je dis ça, mais je suis mort déjà 3 fois. Hein. Donc, ça propage l'incendie. Ouais. Ok, attends. C'est quoi le truc que tu avais fait pour... Y. Non. Regarde si c'est pas molette. Molette Non, sticker duo. Qu'est-ce que molette. Tu me racontes voilà. Ah, got it. All right, folks, here we go. Ah, ah, c'est ce qu'on a pris tout à l'heure pour un bouclier. Bon, en fait, les boucliers, à mon avis, c'est ça, le contre-dash. Et là, il y a un petit coffre. Tu le vois où Là, sur le côté, derrière toi. Ouais. Ah oui. Mais... Alors attends. Alors je sais pas si... Oh oui, j'ai réussi. Pick up. Ah mais bien sûr. C'est pas l'ennemi. Ok, donc t'en as deux. Il faut juste tu peux en sacrifier une en fait. En fait, tu as ouvert le coffre, mais vu que tu peux avoir à mon avis qu'une seule boisson, il te dit, bah garde-la, genre si tu veux échanger, je sais pas, t'as une potion de mana, bah tu veux l'échanger contre une potion de vie. Je pense que ça doit être un peu comme ça. J'allais dire, c'est marrant, il y a une petite boule de feu qui te suit. Et donc, Gwenaël nous dit que c'est du random, ce qu'il y a dans les coffres. Ok, c'est logique. Donc, tu vois, c'est le fameux dash. Ouais, le fameux dash, et après, il faut que je... Ouais, ils n'ont pas de bouclier, donc pas besoin de... C'est pas un dash. Excusez-moi, ça fait... Ouais, le seul problème, là, c'est que... Là, tu vas devoir leur retirer leur bouclier. Le seul problème, c'est que l'ennemi appelle l'ennemi. Ah, c'est génial, en fait, de faire ça. T'as plus de vie, par contre. Tu peux recharger ta vie ou pas? Je sais pas comment on peut faire. Non, là, pour l'instant, tu vois, je... Là, on sacrifie rien. C'est ça. Là, on y va tranquille ou quoi? Je vais me reprendre de la distance un petit peu, effectivement. Let's do this. Tu peux repartir sur le profil mage, je pense. Ouais. Mage. Oh, magnifique, oui. L'épée du mage. J'adore. Là, Sage. Ce petit Merlin un peu badass. Comme un image. Désolé. Tu l'as entendu? Quoi? Ta blague? Non, il n'y avait pas de blague, tu inventes. C'est pas du tout enregistré. Tu inventes, il n'y a pas de blague. Non, que dalle. Tout le monde l'a entendu. Je te rappelle que nous avons des micros de qualité. C'est toi le micro. Grâce à Studio 303 dB. Il m'a coupé là. Il m'a mute. Ah ouais. T'as vu ça? Voilà. Ah là, là, faut que je m'en remette. Ah ouais. J'adore parce que le petit squelette, il arrive tranquille ouvert toi. Ouais. Genre, il peut rester là-bas s'il veut. Oh là là. Oh là tu peux lancer des sorts à distance? Oui. Bah voilà. Donc les sorts, par contre, il n'y a pas d'auto-lock pour le coup. Donc à partir du moment où tu les attaques, ils t'attaquent. Oui. Si je comprends bien. Okay. Alors oui et non, parce que eux, quand ils te courent dessus, ils te courent dessus. Hein. Alors la question c'est, est-ce que je peux rameuter tout le donjon? On est sur un survival, hein, un petit peu. Ouais. Ah, run, run,
Don't stay here. Run, run. Non, non, ça porte malheur d'aller sous l'échelle. Ce qui est bien, c'est que tu cours plus vite. T'as tué un chat noir. Alors attends, tu vas rire, c'est juste que je re-recherche le bon bouton. Voilà, c'était lui. Allez, 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 allez. Oh là, non, ils sont pas du tout morts, hein, en fait. Moi, à chaque fois que je vois des petits tonneaux comme ça, j'ai toujours envie de les exploser. Je m'attends toujours à ce qu'il y ait de la vie dedans. Please, oh please. Non, non, pas dans le s'il vous plaît. Le corner, c'est pas bon. Attends, 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 attends. Je prends mes marques. Mais je crois que ça leur fait rien. Il me semble que ça leur fait rien. Comment ça, ça leur fait rien? Pourquoi ça leur fait rien? Soit tu vises mal. Non, je t'interdis déjà. Voilà. Je te permets. C'est bien ce que je pensais. Oui. Il a une ligne droite. Ouais, c'est gauche droite. Bon, ça va, ça va. Ou soit, en fonction des personnages, tu vois, t'as des éléments équivalents. Ouais. Je pense que c'est plus ça, les bails. Là, tu vas mourir, t'as 0 points. J'ai fui. Courageusement. Bon non, mais là, suicide-toi. Non, mais je crois que tu peux récupérer ta vie. Regarde si tu peux, si tu cliques sur l'autre gâchette. Non, non, non. Il est coincé. Non. Attendez, j'en fais encore un dernier. Ouais, encore un dernier. On est là pour tester, pour découvrir. Non, non. Avant de vous le repasser. Je veux juste de essayer nous repasser, tu vois, genre, avant l'assassin de vous oui, oui. Vous aussi. Êtes, Écoute, à partir du moment où il n'enlève pas ses lunettes et où il ne se met pas à parler dans sa langue natale, c'est-à-dire l'américain, pour l'instant, tout va bien. L'American. American. Yeah. Attendez. Là, je suis prêt, là. T'as pris quoi? Hein? Warrior? Non, j'ai pris l'assassin. Tu es prêt? Parti. Moi je suis prêt, ouais. Le trône de fer. J'aimerais monter. N'hésitez pas à suivre la boule de feu volante. Ah! Si vous survivez entre les monstres. Attends, non. Où ça? Il y a une boule de feu volante. Il y a cette fameuse boule de feu là dont je te parlais depuis tout à l'heure, oui. Ouais. Il faut la suivre apparemment. Ah! Vas-y. Elle n'est pas très intuitive pour gâchette le moment. Gâchette droite pour récupérer ta vie. Gâchette droite. Oh! D'accord. Je veux le suivre. Pour recevoir des skill points. Attends. Tu sais, tu prépares la boîte de nuit pour après. On va s'inverser pendant la guerre. Mauvais passe, Mathias. Mauvais passe. Pourquoi? C'est bon. Aïe, 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 aïe. Mais je sais. Ah, attends. Mignon. Récupère ta vie, récupère ta vie. C'est de plus en plus sombre. Hein. Non, de l'autre côté. C'est pas par là. L'autre gâchette. Je sais plus. L'autre gâchette. Je suis perdu. Gâchette. Gâchette. Mais j'appuie sur la gâchette. Gâchette. J'appuie sur la gâchette. Il saute. Attends, j'essaie déjà de retrouver mon coup. T'as perdu. Non. À moi. Parce que moi, j'ai cheat code ici. T'as le cheat code? Ouais, j'ai le chat. C'est pas juste. T'as récupéré les codes? Ouais, ouais. Gauche, droite, haut, ouais, okay. Bas, haut, bas, gauche, droite, gâchette. Okay, carré okay. Haut, carré haut. Oui. Bon. J'aime beaucoup Gwenaël derrière son écran. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non. Après, ce que je trouverais intéressant, c'est quand ils vont mettre des notions peut-être de boss ou autre. Déjà, ouais. Si on peut arriver à... Voilà, c'est-à-dire qu'on n'arrive déjà pas à avancer dans le donjon, donc je vois pas ce boss, que tu veux dire. J'ai eu aucun problème. J'ai anéanti la compétition. Voilà. Hein? Bon. Oups. La gâchette de droite est pour interagir avec le trône de fer pour récupérer des skill points, par exemple. Oh. Ah oui, d'accord. Il l'a appelé le trône de fer. Si c'est ça, c'est pas une ref. Hey. Ah, eh bien, eh bien. Ah, ils ont dû se marrer, elle me disait celui-là. Il est beau. Oh. What have you done? Est-ce que tu es devenu puissant? Insert alors, skill points. Il faut que tu mettes tes skill points. Et t'en as pas? T'en as pas gagné? You fool. Tu gagnes en fait des points, à mon avis, en battant des ennemis. Attends, je peux pas taper. C'est juste que là, tu regardes. Si, tu peux ton XP, t'as 0. Non, je peux pas taper. T'as 0 d'XP. Tu peux pas frapper? C'est beaucoup comme la papaye.
Ouais, il faut de l'XP d'abord. T'as pas d'XP. Toi, tu es ennemi d'abord. Je suis d'abord baby. Mais non, mais je peux pas. Voilà. Ah, il s'est engagé dans le même temps que toi. Donc là, c'est ce qu'on appelle la méthode sandwich. Eux, ton sandwich, toi, tu es... Mais rien, je meurs pas. Toi, t'es le fromage. ouais, skill. Ah, ah ok, on a débloqué des skills entre-temps. Et quand je vais revenir, je vais crever. Tu risques de décéder, là. Je ne te cache pas. Et tu peux sélectionner une skill pour voir. Oh. Ok. T'as deux skill points. Ok, ok, ok. D'accord, ok. Okay. Ah, nice. Donc, en fait, tu vas pouvoir un peu customiser ton perso avec, en gros, des avantages et des pouvoirs. Ça, c'est bien, ça. Mets-toi de la santé, David. Bah oui, mais... Prends de la vie. La vie, c'est bien. Après, j'appuie sur quoi? Il y a marqué tout doux, donc j'imagine que c'est en cours de dev. Ouais, tout doux. Essaye une autre skill. Ouais, sur Mastery. Ça, tu l'as déjà par défaut. Tu regardes, you can chain up to three attacks with long swords. Tu peux faire un, deux et trois. On en est obligé fait. De commencer par la skill au centre. Donc, ouais, pas mal. Yes. Ok, d'accord. Et après, on débloque sur l'hexagone et on peut accéder à d'autres skills. Ok. Ooh. Et j'imagine que du coup, plus on va aller sur des skills éloignés, plus il faudra de skill points. Ok. Vas-y, tente des coups. Attends. Ouais. Je suis tombé dans un get-get. Bah oui. Le guet-apens. Le dreaded sandwich. Mais je le savais quand j'allais revenir que ça allait être la fin. Bah oui. Sandwich et tu avais faim. C'est beau. Nous n'avons pas encore perdu un élément du décor que je viens de voir dans un reflet. C'est possible. Je crois qu'on a perdu une banderole devant. Oui. Non ? Oui, hein ? Eh oui, oui, hein ? En fait, quand l'écran était tout noir, j'ai vu un reflet, je me suis dit, c'est bizarre ce qui se passe de l'autre côté. Alors, start. Je crois que la banderole veut jouer aussi. Mm-hmm. On découvre petit à petit. En tout cas, chapeau, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mm. Moi, je trouve l'univers hyper intéressant. Alors, c'est vrai qu'en termes d'histoire, il nous en faut une, clairement. Oui, bien sûr. Mais par contre, rien que le déplacement, surtout la caméra, le fait de pouvoir déplacer la caméra autour, c'est hyper fluide. je sais pas, j'ai pas senti de ralentissement ou quoi que ce soit. C'est quand même assez propre, hein, je dirais, pour une alpha. Hein. Tu veux un pitch, Matt? Tu veux le pitch? Vas-y. Je te fais le pitch. Pitch. La cité aux mille temples, la nécropole des dieux. Seul le silence y a ses quartiers depuis l'ascension, lorsque les changeants ont dévoré leurs frères. Les souvenirs de vos conquêtes passées vous ont abandonné au seuil des tunnels, détrônés par une obsession brûlante. Vous venez réclamer votre part du festin. Ah, ah ouais, c'est un grab it all. Ok. J'aime bien ça. Non, mais ce jeu, il promet. Il promet, en plus, il y a énormément d'interactions avec le décor. Je pense qu'ils vont aller plus loin sur ça. Moi, je trouve que juste le comportement, que ce soit des attaques de certains de ses ennemis, surtout le truc... Je sais que j'y reviens, je suis désolé, mais j'aime beaucoup juste l'attaque du bouclier. Je trouve qu'elle est... Elle n'est pas habituelle. C'est-à-dire, on a des trucs de bouclier qui sont faits dans les MMORPG, par exemple, mais dans ce style de jeu-là, on ne le voit pas souvent, en fait. Mm. En fait, en tant que dev, tu vois tout de suite pourquoi ce jeu est très cool. Ah oui. Tu sens... Alors, je ne sais pas si c'est du temps réel, tu penses, ou... Parce que pour qu'il y ait une création... Enfin, je ne sais même pas, d'ailleurs, s'il y a une création de donjon... C'est-à-dire qu'en gros, tu dis que le jeu est vendu avec 1 giga, et en fait, ça s'extend sur ton disque dur. C'est pour ça que tout à l'heure, on a eu une erreur d'espace de disque. Ben, en fait, le problème, c'est que le fait de générer peut-être le... Je ne sais pas. Alors, c'est une excellente question, honnêtement. Gwenaël me répond, et j'ai raison. Et voilà, et je me sens très fière. Donc, le donjon est généré en temps réel. Voilà. Donc, du coup, c'est ça qui prend de l'espace aussi. Ce qui fait, fait effectivement prendre de la place sur le disque dur. C'est pour ça qu'on a eu le petit message d'erreur tout à l'heure. Mais du coup, c'est génial, quoi. Parce que plus t'avances... Plus t'avances, plus tu vas découvrir des nouvelles choses. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est surtout, si nous, on le joue chacun chez soi, on n'aura pas du tout la même expérience de jeu. Et c'est en ça que je trouve que c'est très, très cool.
Et comme Gwenaël le dit, en fait, comme il se génère en temps réel et en permanence, bah, du coup, t'as un donjon qui est toujours différent, quoi. Bah, moi, c'est ce que je trouve génial. C'est-à-dire que ça fait partie de ces jeux que tu peux relancer plusieurs fois. D'ailleurs, je crois qu'il s'est éteint. Qu'est-ce qui s'est passé, David ? David ? David ? On y retourne. Quoi ? Rien. Non. C'est rien passé. La grande spécialité de David. Moi, je ne lance pas les jeux, je les quitte. Voilà. Non, mais c'est parce qu'on voulait remontrer en fait le logo. Je crois que oui. C'était ça surtout. Voilà, on voulait rappeler le nom du studio, tout à fait. Tiens. Ouais, j'y vais. Ok, d'accord. Je fais que des bêtises, c'est pas possible. En fait, j'ai fait quitter parce que je voulais quitter le menu. Oui. Mais ça quitte le jeu. Ah ben, écoute, t'as fait quitter menu quoi. Voilà. La régie se moque. Mais ils étaient sages au début, hein. Mais tellement. Je crois que au début, ils étaient très carrés, très pro. Rien, compteur, 3, on 2, les entendait pas. 1, c'est à vous. C'est ça. Ah, rien du tout, c'est. Eh, 3 secondes. Ça se souvient même plus de nos prénoms. Ouais. Bah, eh, oui. Bidule, c'est là-bas. Et toi, ça nous bientôt. Interpelle. Ouais, ouais. Alors, c'est reparti. Donc là, tu te mets devant, je crois, tu as la petite gâchette. Mmh. Alors. Du coup, ça veut dire que j'ai pré-sélectionné. En fait, il faut remettre comment les skills. Les points, en fait. Donc là, tu vas dans les options. Là, il faut que tu ailles dans Option. Ok, mm-hmm. Je vais dans Option. Quick. Tu es sur Skills. Attends, Missing Key and Skills. Set. Ouais, c'est le même bouton. Je excellent. Vois. Alors non, c'était pas le même bouton. Non. Ah bah voilà. Where are you going? Et après, pour se déplacer sur les menus, c'est... Ah, ok. Voilà. Ouais. Je vois ce que tu jusqu'à veux dire. Jusqu'à Skill. C'est quick. Et oui. Là, je suis pas très douée. Et là, je crois qu'il faut que tu sélectionnes. Et là, yes. Je crois que tu passes du premier et... Unlock. Gwenaël, est-ce que... comme c'est en temps réel, parce que par exemple, tout à l'heure, sur mon écran, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a eu un message d'erreur. Espace que disque presque plein. Est-ce que le jeu est livré avec... tiens, temps de... Il prend 10 gigas et avec l'extension... Ça bouffe en temps réel de l'espace sur le disque. Est-ce que ça, c'est ce qui fait que le jeu est en temps réel? Oula, non. Oh, ok, c'est le PC qui est en PLS. C'est possible. Non, je sais pas, parce que, en fait, comme on a parlé du temps réel juste avant, et qu'on a eu l'erreur de l'espace disque, je me suis dit que... Je ne connaissais pas cette façon de générer en temps réel. C'est tout nouveau pour moi. Ta question était très logique, mais je pense effectivement que là, c'est juste le PC qui... C'est bon. Voilà, fais-lui sa misère. On contraint l'espace mémoire utilisé, vu qu'on génère en temps réel. C'est ça? Après, ça dépend de si ça a été codé pour prendre ça en compte. C'est ce qu'elle me dit. Voilà. Ah, ok. Le donjon est créé au fur et à mesure et supprime au fur et à mesure. Voilà, donc tu n'aurais pas techniquement avoir trop ça. D'infos okay. Non plus. Enfin, tu en as, mais tu en auras pas. Sinon, la rame sauterait, ouais. Ouais. Merci beaucoup. C'est moi ou juste Amy se débrouille beaucoup mieux que nous? Genre beaucoup mieux. Quick de haut gauche, récupérer la vie. J'ai essayé, mais j'avais déjà utilisé... Non, quick en haut. C'est celle-ci pour récupérer de la vie, je crois, une de ces deux-là. Ouais, j'ai essayé, mais en fait, je crois que j'ai utilisé ma fiole avant de commencer. Parce que je voulais me rappeler les boutons, du coup. On nous dit qu'on se débrouille bien. Et oui. J'aime tellement cette petite esquive, je la trouve très très cool. Moi, je me dis surtout qu'ils ont dû s'amuser pour, en gros, faire le code qui gère l'aléatoire, surtout ces trucs-là. Amy, elle fait quoi? Elle roule. Moi, je roule. Là, elle casse du mobilier pour l'instant. Ah oui, ok, je suis la petite boule de feu. On te l'a dit? Ok. Faut en suivre la bouboule. Ouais, c'est bon, attends, tu me l'as dit. Par contre, eux, ils ont de la chance. Hein. On est jette au bout de la map le truc qui te suit. Hein. On est d'accord que le truc qui suit, la tête chercheuse, là, c'est vicieux. Oui. Quoi. Parce que toi, quand tu veux lancer un truc, il faut viser. Hein. Alors, en fait, le seul moyen d'esquiver leur petit coup. C'est de te mettre derrière un objet. Soit derrière un objet, ou te mettre suffisamment loin.
Ah, bien. Après, j'imagine que quand tu vas monter dans ton skill tree, tu auras des trucs. Notamment le mage, je le vois bien avoir un mode tête chercheuse aussi, tu vois. Où, Je pense. Ouf. T'as pris un truc. Tu fais canarder. T'as claqué ta potion. Canarder. Ouais. Ouais, ça c'est vite. Oh là 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 là. Run, run. J'ai envie de hurler run force run. Oh boy. Ils font mal, hein. Ouais, il faut que tu les tues vite. Eux, en gros, faut pas que tu les laisses. Heureusement, ils ont peur d'avoir trop de points de vie. Une fois que t'es dedans, t'es dedans, quoi. Voilà. Là, il te faut absolument un coffre avec une potion dedans, quoi. Et toi, je vais t'attaquer en premier, en fait, parce que t'essayes trop de me la mettre à l'envers. Hé, hey, oh bah, c'est tous les copains. Il est en train de faire le marathon. Viens, fais... Hé, hey, copains. Copains. Allez. On va pas prévenir tes copains. Mais attends, là, on est dans une situation où c'est elle qui poursuit le monstre. Nous, on a passé notre temps à fuir les monstres qui arrivaient. Pas vu venir, celui-là. Ah, il y a un truc, là, par terre. Yes. Ah. Alors, attends, comment je fais pour l'ouvrir? D'abord, tu tues le mec. Non, parce que je vais mourir. La potion? Je fais comment pour ouvrir le coffre? Gâchette droite. Gâchette droite. C'est pour tout. Et c'est mort. Run! Se bat pour sa c'est life. C'est tendu, hein? Se bat pour sa life. Gâchette droite. Par contre, elle fait une misère, en tout cas, au mobilier. Ça, c'est sûr. Exactement. Merci. Et je vais en profiter pour... Alors, ça va être quoi ta classe, tu penses? Je vais ressentir un assassin. J'aime bien assassin. Ouais. J'aime bien son... Moi, le warrior, c'est très très cool. Ok. Moi, je sais pas. Honnêtement, je pense que le warrior, c'est celui qui m'a fait rire. J'aime bien. Le cléric, je suis trop mauvais avec, en fait. J'ai réalisé, je l'ai fait plus bouger et après, je me fais tuer. Mais j'aime bien le warrior. Je trouve que l'assassin, il a l'air intéressant. Je suis curieux de voir son skill tree à lui, en fait, quand il va augmenter. En fait, il y a 4 profils très intéressants. Moi, je mettrais bien quand même une nana, quoi. Quoi? Je mettrais bien une nana dans un des 4 profils. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est prévu. Mais voilà, je le redis. Ouais. Donc, je le rappelle, Godlinx, qui est pour l'instant en développement. Ici, on est sur une alpha. Il n'y a pas encore de date de sortie d'annoncée. Parce que c'est un jeu avec un gameplay, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment DCA. Intense, mais c'est surtout lié à la technique autour de ce jeu, puisqu'on est sur un décor qui se construit en temps réel. Voilà, en tout cas, si vous voulez suivre l'aventure Godlinks, sachez qu'ils ont une page Facebook et un compte Twitter. Voilà, vous pouvez également avoir plus d'informations sur leur site internet. Ils ont un website officiel, donc godlinksthegame.com. Comme je vous le disais au début du Let's Play, il y a déjà quelques articles de presse qui sont sortis, des très très beaux articles de presse. J'ai cru lire celui de Canard PC. Mais non, ouais, attention. Je crois que tu l'as pas fini en fait. Tu l'avais frappé et tout. Ouh. En fait, dès que je suis allé vers le coffre, j'ai voulu interagir. L'autre, il arrive derrière, il m'a fait. Oui. Hey-oh. Attends, quand il dit la gâchette de droite, c'est laquelle? Ok, excellent. Donc j'étais sur la gauche. Voilà. Bah, à droite, quoi. Non, mais en fait, c'était la droite, mais par rapport, tu sais, au live. Tu vois, derrière l'écran. J'ai tenté une esquive. Ouais. Peut-être. Mmh. Ah, Gwenaëlle me confirme qu'on aura un personnage féminin pour chaque classe. Alors, ok. Ah, donc, okay. On va avoir... donc, on a 4 classes. On a découvert 4 classes. Et donc on aura l'équivalent féminin pour chaque classe. Ça, c'est très, très cool. Alors, tu cours vite, mais pas aussi vite que les bouboules. Hésite pas à appuyer sur X pour esquiver. Moi, c'est ma technique roulade. Ouais, ouais. Je vois ça. Ouais, ça va plus vite, ça va plus vite. Vas-y, continue. Va loin. Éloigne-toi. Oui. Faut que tu changes de salle, C'est bon. Viens ici, toi. I will have you. Allez. J'aime beaucoup cet univers.
Ça me fait un peu penser, je sais pas si tu te souviens de ce jeu, David, à Fable. Je trouve que l'univers me fait penser un petit peu à Fable. Je sais pas si tu avais joué à ce jeu. Pas beaucoup. En fait, quand on est arrivé, qu'on était en vue du dessus, et que j'ai cru que c'était en clavier souris, j'ai cru que c'était un peu un style Diablo. Oui, mais justement, oui, oui. En fait, ça rappelle un peu Diablo. Pour moi, ça rappelle Darkest Dungeon aussi. Ouais. Et comme je le disais un peu plus tôt, aussi un peu Gauntlet. C'est un peu tous ces univers-là qui se retrouvent. Il y a un autre jeu sur lequel j'ai joué sur Steam qui était à peu près le même style, où tu avais des personnages et tu devais récupérer des armes. Sauf qu'il y avait des. Au bout d'un moment, tu avais j'y ai joué avec mon patron, avec Renaud. Où tu avais le pied qui s'écrasait, il fallait esquiver. Il faut que je retrouve le nom. Et c'est un jeu vraiment génial. Attends, un pied qui t'écrase ? Ouais, genre, non, c'était vraiment. T'es sûr que vous ne faisiez pas vos impôts ou un truc comme ça ? Un pied qui t'écrase. Je vais chercher sur Steam. Non, mais vous me. Hein ? Oh. Hein ? Non, mais oh. J'aime bien parce que tu as quand même des, des interactions, même au sol. En fait, t'en as sur les murs, t'en as au sol. Il y a partout. Il y a des FX. Truc qu'on n'a pas sur certains jeux et que je trouve ça génial, c'est le fameux mur. Tu vois, parce que des fois, il y a des jeux où la caméra elle va te faire un angle tout noir. Elle va se serrer. Carrément te mettre derrière, mais elle ne va pas supprimer les murs pour que tu puisses voir. Gâchette de droite. Oh. Non, mais attends, mais. Non, mais tout de suite. Coldman's Legacy, Spider-Bane. Ah, mais je vais trouver le jeu, là, parce qu'avec mon truc, je l'écrase. Et je pense aussi que tu dois avoir des artefacts dans les coffres qui correspondent à tes personnages. Ou en tout cas à tes classes. Ok. Ouais, je pense que dans ce jeu, il faut vraiment interagir avec le décor. Hein. C'est un 50-50. Hein. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, là, quand t'as des flammes. Moi, j'ai cassé un peu partout. Ouais, et puis quand t'as des flammes. Ça me stresse. Tu vois, des poteaux, tu peux t'en servir pour esquiver, pour te protéger. Alors, on me fait signe qu'on va devoir passer à la suite. Et la suite, je crois que c'est le quiz. En tout cas, merci beaucoup à Gunlink de nous avoir permis de découvrir ce jeu. On était sur une. Il y a eu, donc, comme tu as dit, des conférences, pas conférences, mais des articles qui sont sortis dessus. Il y a eu des articles de presse, mais, notamment celui de Canard PC. Soit pas les uniques, mais des privilégiés d'avoir pu tester cette bêta. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Gwenaëlle de nous avoir donné toutes les infos sur le chat. Vous pouvez bien évidemment les suivre sur les réseaux sociaux pour voir l'évolution du jeu quand il y aura la possibilité de les jouer sur quel type de plateforme. En tout cas, moi, j'ai été ravi. C'était vraiment génial. Ça me donne envie de le saigner aussi, quoi. Il y a un très gros potentiel, j'adore. En tout cas, l'univers est extraordinaire. Moi, je valide tout de suite. Et hâte de découvrir par la suite aussi la musique qui va aller avec. Ouais. Oui, parce qu'on a du sound design là, mais on n'a pas la musique. Oui, exactement. Je crois qu'on va conclure sur la mort. Ouais. Quelle mort ? Je suis invincible. On va conclure. Très très bon jeu. Merci beaucoup, Gwenaëlle, de nous avoir suivis sur le live et pour les infos. On va conclure sur cette mort impeccable.